message moko. Bino nyoso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyoso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei. Aza anti polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique. Donc elobela nyonso na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Jean-Marc, tu es bien. Tu es là, gouverneur, député national, député provincial. Alors, ton frère, c'est un bon. Le nom, je vais te dire que je suis menacé. Je suis là, 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 je ensemble, ensemble, les plateformes. Ils ont là trois. Et pour trois. Ah, tu bannis, soyez retard, pour que tu te gagnes. Voilà, maman, ma tata m'a invité quand même. Ben, suis-moi ton sac de l'épaule. Là, insister, mais ça. Social, pour le social, et appel là, donc, j'ai pris. Pour cela, moi, je le dis. En trouvé à Kenya, on a cité, on a préparé, on a sorti officialité. Cette AMK, merci, merci, merci. Au fond, on attend, on dit, mais bon, après, on a un meeting à Mene, on a dit ça, pour la sortie officielle ensemble. Mais c'est comme ça, on a dit, 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 on a ensemble. Semble se réunir aujourd'hui, c'était quoi le message que vous avez à lancer par rapport à cette mobilisation? Le message est simple, le Congo n'est pas un patrimoine privé de M. Kabila. Aujourd'hui nous sommes réunis pour dire à la jeunesse congolaise que le président Moïse Katumbi, le dernier fils politique du fait président Étienne Tshisekedi du Amulumba, est en train de rentrer dans son Congo natal. Personne, et alors personne ne pourra lui empêcher de rentrer dans ce pays. Et le jour où Moïse Katumbi rentre, nous allons lui ramener de l'aéroport de Ndjili jusqu'au Palais des Nations. Ça sera un processus. Le président Moïse Katumbi atterrit. Le processus de l'aéroport jusqu'au Palais des Nations commence. Alors, le plus grand message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la jeunesse congolaise est debout. Aujourd'hui, plus que jamais. Pourquoi debout? L'alternance politique au sommet de l'État s'impose. La jeunesse doit s'impliquer. La jeunesse doit être acteur. Mais c'est Kabila, après avoir été au sommet de l'État pendant plus de 18 ans, il n'a plus que plus rien de nos peuples congolais. Le peuple congolais a besoin du pain. Le peuple congolais a besoin d'aller à l'hôpital lorsqu'il a un besoin de santé. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un véritable problème qui s'impose à nous, peuple congolais. C'est le problème de l'alternance. Mais ce Kabila a géré ce pays d'une manière
qu'aucun président du monde n'a su gérer une nation. Aujourd'hui, M. Kabila est en train de partir. Il laisse le pays dans un état désastré. Même en 97, quand M. Mobutu partait, le Congo n'était pas dans une situation. La crise humanitaire que le Congo connaît aujourd'hui, le Congo n'a jamais connu une telle crise. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse congolaise s'est réunie pour exiger l'alternance politique au sommet de l'État. Je voudrais rassurer et assurer à l'ensemble de la jeunesse congolaise que M. Moïse Katumbi sera au Congo au mois de juin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, M. Moïse Katumbi sera ici. Et que les élections s'imposent. Sans machine à frauder, la décrispation, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections, c'est la décrispation. M. Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo, Ediem Jomidongala, ainsi que d'autres compatriotes doivent rentrer au Congo. Et nous allons plaire le président Tshisekedi avant que les élections soient organisées. Mais ce Kabila ne sera pas candidat à ces élections. Et qu'aujourd'hui, nous attendons à ce que la majorité présidentielle, qui n'existe presque plus, puisse nous présenter un dauphin. Le dauphin qui assumera le chèque d'une gestion peu orthodoxe de M. Kabila de 18 ans au pouvoir. Et donc, ensemble pour le changement, à travers sa jeunesse, vous a aujourd'hui invité pour vous dire que notre futur chef de l'État, M. Moïse Katumbi Tshapwe, sera de retour au Congo. Et que M. Moïse Katumbi, c'est le tout dernier fils politique de M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Étienne Tshisekedi wa Mulumba s'est battu tout au long de sa vie pour l'arrivée ou l'avènement d'un État de droit au Congo. Et l'avènement d'un État de droit au Congo passait par une alternance démocratique au sommet de l'État. C'est moi qui vous remercie.